Et c'est parti pour 2 semaines de road trip avec nous. C'est parti. Mais quoi, attends, prends! Prends! Allez, prends! Waouh, t'es trop fort! T'es trop fort! On est donc au lac d'Orient. Il y a énormément de lacs et super joli. Après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas autant d'eau que d'habitude. Mais c'est pas grave, les loulous s'amusent quand même. Je viens de finir une petite séance en course à pied, plus ou moins de récup. J'ai fait un petit 500 mètres vraiment de décrassage à 3,30 du kilomètre, je crois. Les loulous ont été top, ils étaient en libre. Donc voilà. Et on va reprendre la route tout de suite pour un nouvel endroit. Ouais! J'ai carrément sorti les bottes parce que je sais pas trop à quoi m'attendre dans leur sentier par ici. On va bien voir. Il a plu toute la matinée. Je vais vous montrer après où je suis garé, c'est complètement inondé. On va faire la première petite balade. Vous trichez un peu, non? Ah, bien ma Mimi. Lui, il triche. Et toi, Mimi, toi, t'es trop forte. Waouh. Ah, ouais, quand même. T'as raison, il y a profond. T'as raison, Mimi. Ils sont revenus sans que je les rappelle parce qu'ils étaient en pas bougé, donc je sais pas ce qu'ils ont entendu, mais... Wow. Ok. D'accord. C'est parti, en route pour Verdun. Je viens de faire une petite story pour vous demander qu'est-ce qu'il y a à visiter ou à faire là-bas. Donc en attendant les réponses, on va prendre la route. J'ai environ 1h30 de route, voilà, on se retrouve là-bas. A tout de suite. Bah là je crois que je suis pas mal pour lire la carte. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Après ouais, les pleins phares ça, ouais, c'est limite. Mais ouais, c'est pas mal pour lire la carte, je trouve. Bon, bien arrivé à Verdun. Pour vous décrire à quel point il fait froid, quand Texas, je sais pas si vous allez le voir, quand Texas il respire, bah, il y a de la fumée. Voilà, c'est comme ça que je vous décris s'il fait froid ou chaud. Après, on va aller se faire une petite visite, je pense, de nuit, peut-être d'un fort ou des tunnels, on va voir ce qu'on trouve. Et à plus tard, moi je vous prépare un petit repas, vite fait, c'est en train de chauffer en fait. C'est parti, je suis en route avec Texas et Mia pour aller faire une petite balade dans les champs de bataille de Verdun. Je pense que ça peut être très sympathique tout ça. Donc je pense qu'il y a moyen de faire une sorte de petit urbex, ça va être super cool. C'est parti en direction de la source du roi de presse, retranchement à 300 mètres. On est parti. C'est plutôt rigolo cette petite balade. Je pense que ça va être plein de découvertes et qu'elle va durer beaucoup plus longtemps que prévu. Attention à tes pattes. Stop. On va pas aller en bas. Non, en bas il y a trop de terre. Tu pues du cul toi, t'as pété. Allez, on sort de là. Je sais même pas où aller en duel. Mia, tu veux bien attendre 2 secondes? Ah oui, attends un peu. Mais je suis en botte d'ailleurs. Oh, c'est super grand. Et il reste une pièce là-bas. Ah non, terminé. Allez, on ressort de là. Toc. Ami, attention tes pattes. Oh la vache, je suis là, mais balèze. Attention tes pattes, toi. Hein. Peut-être que ça marche doucement, mais... Ouais, c'est un truc de fou quoi. Ah oh. Oh, ouais d'accord. Donc si je me trompe pas, ça devait être l'hélice.
Ouais, je pense que ça doit être ça. Et il reste même des trucs, quoi. La globalité est enlevée, mais bon. Descendre vite fait pour aller voir. Tac, tu viens, tu me suis. Attention. Eh, hey, pas les dents. Regarde, t'es relou un peu. Ouais, ça a l'air grand là-bas aussi, mais on va pas pouvoir y aller. Je vais respecter le lieu, je vais pas forcer. Texas autour. Avance, Mimi. Oh la vache. Bon, bah là, on est parti pour un moment, mon chance. Bon, t'as arrivé, si on va pas aller plus loin, l'échelle. Mia, viens. En espérant qu'on ne pourra pas croiser quelqu'un de spécial. Sinon, Texas, il va vite réagir. Tu retrouves même la sortie, c'est bien, ma fille. T'es trop forte. C'est parti, on continue la visite. Et là, on est un grand, grand bâtiment, apparemment. Je ne sais pas si on va pouvoir beaucoup visiter. Mais en tout cas, ça m'a l'air énorme. Donc, c'est l'abri des quatre cheminées. Tiens, descends. Mia, tu restes derrière. D'accord, c'était une certaine espèce. Allez, va. Ah oui. Oh, le truc de fou. Je vais mettre la lumière au maximum. Toc. Oh, vache. Impressionnant, quoi. Allez, quelques petites évacuations comme ça. D'accord, c'est carrément des tunnels. Allez. Et là, j'imagine que... Ouais, c'est ça. Tac. L'exploration des petits monuments, etc. va toucher à sa fin. Parce qu'en fait, ma lampe torche, elle vibre. C'est no light, mais elle vibre. Du coup, ça veut dire en fait qu'il n'y a plus de batterie. Donc je vais rentrer dans le doute de ne plus avoir de lumière. Je pense que c'est mieux. Il reste un dernier petit monument ici, je ne sais pas si vous allez le voir. Et après on va rentrer. Voilà, on se retrouve un peu plus tard sur le chemin. Bon, j'ai trouvé ce petit endroit. On va voir ce que ça donne. Faut pas que je mouille les bottes. La vache. Eh, pas trop de vagues. Faites pas trop de vagues, on va être trempé, c'est nous. Ah oui, non, d'accord, c'est juste une pièce comme ça, donc ça va pas être. Eh, vous allez me tromper. C'est quoi ce bordel? Oh, mais tu me trompes. Pourquoi tu me suis? T'es attaché à moi, je sais. Mais... Pas bouger, t'es attends. Ça résonne de fou. Mia, file de là. Mia, file. On voit plus rien. Toc. On savait que c'était juste une pièce, parce que sinon ça aurait été long à visiter, ça. Allez, on se retrouve plus tard. Ça y est, on est enfin arrivé au camion. Les loulous, je crois, ils sont contents. C'était plutôt sympathique, c'est assez étrange, moi j'aime beaucoup à voir de jour. Je pense que je vais regarder ce soir un documentaire sur toute l'histoire et précisément sur le champ de bataille où on était aujourd'hui parce qu'en fait, au moins d'avoir visité, mais d'en apprendre un peu plus, je pense c'est plus intéressant que de repartir avec juste les informations que j'ai là. Mais c'était super chouette, donc là on va aller se coucher, je pense, on va aller essayer de trouver une petite place. Parce que le problème, c'est que c'est super en pente où je suis garé là. Donc on va essayer de trouver quelque chose dans la ville de Verdun ou aux alentours. Voilà. Allez, sur ce, ciao ciao! Je viens de me réveiller, il est 10h30 à peu près, ça fait un petit moment que je suis réveillé, mais là je viens de me lever maintenant. Je suis en train de me préparer un petit déjeuner, les loulous n'ont pas encore été se promener, je vais aller les promener après mon petit-déj. La nuit fut assez compliquée, hein. Honnêtement c'est assez humide, mais ça l'a fait quand même, c'est surtout le froid, je crois qu'il faisait moins 2 cette nuit, donc c'est pas très très chaud, moins 2, mais ça passe quand même. Voilà. Donc on se retrouve dans la balade avec les chiens.
Actuellement en balade avec Mia, on est dans une sorte de tunnel. C'est plutôt impressionnant. Je sais pas, il fait combien de mètres de long. Mais ça fait un moment qu'on marche et vous allez voir la lumière là-bas. Mais ouais, il m'a l'air bien long. Voilà, voilà. Actuellement, j'ai pénétré dans une base militaire sans faire exprès, donc une base militaire qui est toujours en activité, des bâtiments qui avaient été utilisés lors de la bataille, mais qui sont maintenant utilisés pour l'entraînement. Donc je suis dans une base militaire sans m'en rendre compte, je m'en suis rendu compte en sortant. Voilà, là j'ai pour le coup, heureusement que je n'ai croisé pas de militaire ou personne. C'était même dangereux d'être sur place en fait avec Mia. Mia au pied. La balade avec Mia est terminée, j'ai un petit peu joué avec Texas. Là on va bouger à un fort, je vais me faire une petite dégustation de Candy Up, ceci n'est pas une collaboration, malgré que j'aimerais bien, voilà. Je suis épuisé, je sais pas on a combien de mètres sous terre, mais là on s'est aventuré dans quelque chose avec Tété. Autant vous dire que c'est plutôt sympathique. Faut pas avoir peur. Moi j'aime bien. Lui il s'en fout, ça l'amuse. C'est reparti, on prend la route cette fois-ci en direction du Luxembourg. Et là ça va être très sympathique. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire au Luxembourg, mais on va faire quelque chose. Bon, petit repas dans le camion ce soir. J'ai trouvé le meilleur moyen pour se réchauffer dans le camion. C'est aller faire jouer les chiens. Comme ça ils ont chaud. Et comme ça, ça réchauffe le camion, c'est incroyable. Donc ce soir, c'est baguette. Baguette avec du blanc de dinde, du beurre. J'ai peut-être éventuellement un petit peu de Nutella, voilà. La seule fois de l'année où j'en ai. Mais voilà, voilà le repas de quoi il est constitué ce soir. On va être tranquille, je vais mater une petite vidéo YouTube, je pense. Et voilà, tranquillou bilou. Allez, plus tard. C'est l'heure du repas pour les loulous. Toc, Mia a sa petite gamelle, tranquillou bilou. On va aller voir Texas, bon, c'est l'aventure pour que je... Parce qu'en fait il y a un fossé. Alors, voilà la gamelle loulou. Là pour le coup t'as de quoi faire. Hein. Miam 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 miam, c'est bon. Et après, petite promenade. Et après au dodo. Hein. Voilà, au dodo. Je pense que demain on va s'arrêter sur une aire de camping-car ou au moins un endroit où j'ai l'électricité. J'aurais bien été manger genre au restaurant, McDo ou un truc. Parce qu'en fait j'aimerais bien faire un repas chaud. Enfin un endroit où c'est chaud. Pas un repas chaud mais un endroit où je suis au chaud. Parce que depuis samedi matin j'ai pas mangé un endroit où il fait chaud. Et oui et oui et oui. Bon bah voilà, on va faire une petite balade au dodo. Et après bon bah ça va passer vite. Ensuite on va arriver à Strasbourg. Et ensuite Strasbourg, on va descendre dans les Alpes. Donc ça va passer vite tout ça. Bon là clairement il caille, je suis sous deux sacs de couchage au plus proche du plafond. On se retrouve demain et sur ce, ciao ciao. Bon, il est 11h30, je viens de me réveiller, je crois que j'avais vraiment besoin de récupérer. Je suis en train de sortir les loulous, ils avaient besoin de sortir. Ouais, là je pense que les longues marches à Verdun en bottes m'ont vraiment fatigué. Je me suis couché peut-être à 23h et là je me réveille à 11h30, donc autant vous dire que ça fait une belle nuit quand même. On est parti pour faire le tour du lac, comme vous le voyez. Il me semble qu'il fait 7 km de long. Donc ça va durer un petit moment. Après je pense que je vais faire le tour en canicross, histoire de voir comment est ma cheville pour ce week-end. Au moins ça permettra d'avoir une petite idée. Voilà, à plus tard. Et c'est parti, en route pour le petit canicross avec Mimi. J'ai fini de m'échauffer. Il fait super froid par contre, il fait super froid. C'est parti. Allez go, on y va go. Non, c'est bon, regarde devant. Nono y va. Voilà, c'est pas la course, là, on se fait une petite balade.
pneus. Hein. Top. Allez, on marche. Petite championne. J'avais dit une balade. Il se trouve qu'on a couru à 3,19 de moyenne. Bon, bah tant mieux, écoute, hein, j'ai envie de dire. Comme ça, je vais avoir les jambes en feu ce week-end. En espérant que j'ai suffisamment de temps de récup maintenant. Voilà, voilà. Plus qu'à se changer, à aller grignoter. Ah oui, et je suis à jeun en plus. J'ai pas déjeuné ce matin. Ça, c'est super, ça. Allez, à plus tard. Actuellement en train de rentrer dans le Luxembourg, on va voir ce que ça donne, ça m'a l'air plutôt sympathique. Pour l'instant, rien de particulier. Ah si, il y a un panneau, il y a un panneau, je vais vous montrer ça tout de suite. Attention. Waouh, magnifique quoi, le Luxembourg. Voilà, c'est parti, maintenant il faut aller trouver de l'AdBlue pour le camion parce que j'en ai plus, voilà. Je viens de faire du carburant dans le camion, j'ai chopé de l'AdBlue aussi du coup. Par contre, vous allez halluciner le prix du carburant. Je n'étais pas au courant que c'était aussi peu cher au Luxembourg. Mais du coup, je vais ressortir du Luxembourg. Pourquoi? Parce que je crois que j'ai pas de réseau. Je capte pas dans le Luxembourg. Je sais pas de quoi est constitué mon forfait. Je ne vais pas prendre de risque. Je vais ressortir. Je vais aller trouver une aire de camping-car. Et surtout, en fait, les gens, ils parlent... Il y en a, ils parlent pas tous français. Et moi, l'allemand ou l'anglais, ça va. Mais l'anglais, ils parlent pas. J'ai l'impression qu'ils parlent surtout l'allemand. Ou je sais pas si au Luxembourg, c'est l'allemand aussi. Mais en tout cas, voilà. C'est des langues différentes des miennes. Voilà. Regardez le prix du carburant. 1,04€ pour 1 litre. C'est complètement aberrant quand on se dit qu'en France, on en rajoute, on rajoute 40 centimes pour 1 litre. Quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, à peine rentré au Luxembourg, en fait, je vais en ressortir. Bon, moi, je pourrais dire que je suis rentré dans le Luxembourg. Après, j'ai peur d'avoir une merde ou que ce soit de par ma langue, que je maîtrise pas déjà l'allemand. Je connais aucun mot en allemand. Genre, absolument aucun. Voilà, en route pour la France. Je sais pas si vous allez voir. Ça y est, normalement, on est re-rentré en France. Du coup, voilà. Voilà, on rentre en France. Donc à partir de maintenant, normalement, j'ai du réseau parce que du coup là, je me balade. Je savais pas où j'allais. J'ai mis mon téléphone en mode avion, mais du coup, j'avais pas Google Maps ou Waze. Tout rigolo. Bon voilà, j'ai trouvé une aire de camping-car. Texas est actuellement en train de manger. Mia va avoir son tour après, et du coup, j'ai récupéré l'électricité. Et ça, franchement, ça fait vraiment la différence. Par contre, il fait un peu moins froid que où j'étais tout à l'heure. On a quand même fait 1h30 de route, donc ça peut changer un petit peu. Mais au moins, je suis tranquille. Je crois qu'il y a un petit lac juste au-dessus. Donc on ira voir ça un peu plus tard. A tout à l'heure. Cette aventure commence à être vraiment compliquée. Là, il est 23h45. J'ai genre vraiment très 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 froid. Je suis en train d'essayer de faire chauffer de l'eau, comme vous le voyez, toc. Pour essayer de chauffer le petit mètre carré de ce camion. Mais vraiment, ouais, c'est soit il fait froid, soit il fait chaud, dans le sens où une fois que je suis dans mon sac de couchage, j'ai chaud, mais il n'y a pas d'entre deux en fait. C'est pas simple. Je pense que je me suis mal organisé. À voir dans les Alpes, à voir une fois dans les Alpes, est-ce que je loue un hébergement ou pas, est-ce que je trouve un hébergement aussi, parce que là rien que pour ce week-end à Strasbourg, impossible de trouver, je ne sais pas pourquoi, il doit se passer quelque chose ce week-end. Allez, sur ce, demain, parce que demain c'est le début d'une nouvelle aventure, le championnat de France FFST, le premier et la deuxième course FFST, donc ça va être cool. Voilà, allez, sur ce, à demain. Le réveil fut encore une fois compliqué. Première fois où j'ai une nuit, je dois mettre un pull et un t-shirt dans les deux sacs de couchage. Est-ce que mon corps a du mal à se réchauffer au fur et à mesure des jours? C'est peut-être ça aussi à voir. Mais ce soir, très bonne nouvelle, ce soir. Normalement, on dort. Enfin, je dors à l'hôtel. Les loulous, j'espère pouvoir les amener avec moi. Eux, ils résistent mieux au froid, mais j'espère quand même qu'ils puissent venir avec moi. Voili, voilou. Donc pas de petit déjeuner, je pense que je vais commencer à plutôt bien manger là pour les courses de ce week-end. Voili voilou, à plus tard. Actuellement en train de faire la roco de ce fameux parcours, j'ai un petit problème mécanique et ça m'embête quand même pas mal. En gros,
J'ai mes deux dernières vitesses, donc celles qui me font le pédale le plus vite, qui claquent énormément et du coup impossible de rouler avec les deux vitesses là. Donc ça me fait avoir un développement qui est tout petit. En gros, à 25 km/h, je mouline x 1000 quoi, en gros pour vous expliquer. Je viens de finir la reconnaissance, du coup ça va être boueux, pas trop non plus, mais c'est plutôt de la boue genre vraiment collante. Le parcours va pas être très rapide je pense, déjà par le problème mécanique. Du coup je viens d'aller dans le bourg d'une commune proche de Strasbourg. Donc du coup selon un mécanicien vélo en fait, c'est ma cassette. Ma cassette est trop vieille sur certaines vitesses parce que du coup j'ai roulé beaucoup sur certaines vitesses et donc c'est le développement le plus haut parce que moi je suis super rapide en fait, et que ma chaîne elle est neuve, donc du coup ça fait pas bon ménage du tout. Voilà l'explication. Donc là en route vers l'hôtel et on verra bien ce qui se passe demain. Normalement c'est quelqu'un qui me donne mes dossards demain. Voilà, j'espère que ma réservation de l'hôtel est bien passée, enfin voilà, je crois que j'ai un peu de route en plus. Bon, bah, je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel, franchement c'est pas trop mal du tout, une salle de bain ça va être incroyable. Non vraiment, elle est plutôt pas mal cette chambre avec de la moquette au sol. Je vais amener les chiens un peu plus tard, vraiment que pour la nuit par respect, parce que ça m'a l'air d'être un hôtel quand même un peu chic. Donc par respect, je vais les amener plus tard avec leurs couettes, vraiment que pour la nuit, je vais les promener tout de suite. Il est actuellement minuit, je ne sais pas encore à quelle heure je pars demain, on le verra bien sur le moment. Mais voilà, ça va être cool, on va bien s'amuser, on se retrouve demain matin, à tout de suite. Pas bouger. 30 secondes. Et c'est parti pour une course de folie. 30 secondes. 3, 2, 1, okay. Go. Ok. 3, 2, 1, ok. Ok. Allez, go. Allez. Ok, devant. Ok, on relance. Allez. Ouais. Ok, on relance. Ok, on relance. Allez, Bilou. À droite. Ok. Allez, on cherche. Ok. Allez. Allez. Allez, devant mon loup. Devant. Ok. Allez. Droite. Ok, loup. Allez. Ok, loup. Ok, bien. Allez. On relance. Allez. Allez, mon fils. Allez.
bien, mon loup. Allez, t'as envoyé, mon gars, là. T'as envoyé, là. Ça, c'est mon bidou. Et oui, pour le moment, on est premier de notre catégorie de ce championnat national. Et franchement, il m'a fait une course de folie. Et on enchaîne maintenant avec le canicross. C'est parti! Malheureusement, je n'ai pas réussi à filmer le début de la course. J'ai seulement l'arrivée. Eh bien, la voici. Devo! Sali! Okay. Allez, 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 allez. 3, 2, 1, ok. Allez, dedans. Ok. Ok. Attends, 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 t'excès. Mieux. Elle a décéléré comme elle va à 2-6, mais après, c'est parti. 153. J'ai pas réussi à filmer apparemment, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, on verra le résultat plus tard. T'es contente, ça a bien couru. Mais il fait super chaud, il fait vraiment super chaud aujourd'hui. Donc madame elle voulait aller dans l'eau tout le temps. Je me suis fait mal à la cheville en plus, au moment où je passe le petit portique, enfin pas le petit portique mais la petite ligne là sur le sol. J'ai pas les mots, désolé. La petite ligne là pour la puce, le détecteur. Bon, en fait, quand j'ai posé le pied dessus, ma cheville elle a la moitié tournée. Mais je pense que la gauche elle a un problème. Hein. Donc, j'avais checké ça. Enchaîner vélo et après faire le canicross, franchement, c'est une horreur. C'est vraiment dur, les jambes sont lourdes. En fait, j'ai eu vraiment une demi-heure entre l'arrivée et le départ avec Mia, même pas. Donc, autant vous dire que pas le temps de se chauffer réellement, quoi. Enfin, c'est pas top. Mais bon, c'est pas grave, on a fait un bon kilomètre en 2,59, 3,13 après, je crois. Et après, on a fait du 3,25, 3,26, je crois. Je sais pas le dernier kilomètre ainsi que les 500 mètres à l'arrivée. À voir. Pour l'échauffement, il caille de malade. Prochain départ, le roi Andy à mon numéro 6. Devant, ok. 3, 2, 1, ok. Ok, allez, ok, allez, c'est bon, ok, droite, ok, go, 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 allez, 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 go, 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 ok, devant, on relance. À droite. Ok, go. Allez. Allez. À gauche. Ok. Allez. À gauche. Ok, go, on relance.
Allez. Ok. 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 À droite. Ok. Ok, allez. 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 Ok. Allez. Ok, allez. Devant. Devant. Allez, on relance. Allez, on relance. Allez. Allez. À droite. Droite. Ok, go, on relance. Allez. Allez. À gauche. Ok, gauche. 3, 2, 1, ok. Allez. Allez, Bilou. Allez. 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 Stop. Super, mon Bilou. T'as eu du mal aujourd'hui, hein? Ah oui, j'ai eu du mal. Bien. On est officiellement champion national avec Texas, les meilleurs de France dans cette fédération et dans nos autres catégories. Franchement, c'est top. À gauche, mi. Ok, relance. Allez, relance. À droite. Allez, go. Allez, go. Allez. Stop me. Tu peux prendre la bus ? Oui, attends. Champion national avec Texas et troisième avec Mia de ce championnat national. C'est impressionnant. Les résultats que m'ont sorti les loulous, franchement, je suis super fier d'eux. Actuellement sur la route, on est en Suisse, sauf que ce que je n'avais pas pensé, c'est qu'en entrant dans un pays étranger, on ne capte pas forcément du coup selon son forfait. Donc là, clairement, je suis en Suisse, l'idée c'est d'en sortir, sauf que je vais y aller un peu à la roule-guille. Je sais que Genève est vraiment à la frontière de la France, donc je vais vers Genève. Une fois sorti de Genève, je sors de... J'espère qu'il y aura des panneaux qui me permettent d'aller en France. L'idée, c'est d'aller vers,
Je sais même plus en fait, voilà. Je sors de Genève, je vais en France, au moins je capterai. Voilà, c'est ça l'idée. Donc là il me reste environ 150 km je crois, parce que Google Maps a pu charger un petit peu le trajet, mais j'ai pas la vue satellite, par contre j'ai le trajet. Apparemment, mais j'ai 150 km je crois pour aller à Genève, je viens de voir un panneau. Donc voilà, clairement si j'ai un problème là ça pue. Là clairement ça pue, donc on va voir. Je vous tiens au jus, voilà. De retour en France, on est en train de rentrer dans les montagnes, c'est parti. Actuellement en train de monter tout en haut de la montagne, et ça c'est super chouette, moi j'adore. C'est particulier quand on vient de la Bretagne et que c'est complètement plat, moi où j'habite. Là clairement c'est plutôt cool, c'est plutôt rigolo même. Comme vous le voyez, on est bel et bien arrivé à Besançon et il y a pas mal de neige, ça c'est plutôt cool. Dans l'après-midi, je vais aller voir... Oula. On va même faire une grande balade maintenant. Je vais passer devant des shops pour éventuellement des skis de fond, voir comment ça marche et tout. J'apprendrai peut-être dans la journée, si je me sens à l'aise, peut-être que je ferai du ski de Joe avec un des deux ou même les deux, à voir comment je peux faire. C'est pas de l'eau Mia, c'est de la neige. Je suis en train de bouffer de la neige, je te crois. Waouh! Bah franchement ils sont super contents de retrouver la neige. On y était il y a un an et un mois à peu près, quelque chose comme ça. Là ils sont vraiment super contents et Tété il adore. La balade est terminée, maintenant les loulous ont le droit à un petit peu d'occupation comme vous le voyez. Donc c'est de la mastication, ils ont des pattes de poulet et je crois que c'était coups de canard. Visiblement ça se régale plutôt bien. Ça y est, j'ai loué l'équipement pour faire du ski de fond. Ça va être plutôt rigolo avec les chiens, mais d'abord il faut que je m'entraîne un peu. Ça y est, l'équipement pour le ski de fond est loué, je vous montre ça après quand je serai dessus. Donc maintenant, prochaine étape, c'est prendre les forfaits. Soit on se retrouve quand je prends les forfaits, ou soit on se retrouve sur les skis. C'est bon, j'ai récupéré le forfait, ils m'ont fait une sacrée photo en noir et blanc, c'est magnifique. Du coup, de lundi, d'aujourd'hui en fait, à mercredi. Donc là, on va rentrer à l'hébergement, je vais m'habiller, je vais faire la première initiation du coup. Et si je suis bon, que si je suis bon du coup, je vais pas prendre le risque débile de me blesser. Si je suis bon, bah, je pense que je vais commencer avec Mia, parce qu'avec Texas, ça va être trop rapide. Donc avec Mia, ça peut être rigolo, à voir ce soir si j'ai le temps. Sinon ça sera demain quoi, avec un des loulous. À plus tard. Bon, c'est parti, de ce que j'ai compris. Alors, je dois faire un truc comme ça. Toc, toc. Ensuite. Peut-être que s'il y a de la neige dedans, ça bloque. C'est une possibilité. Ouais, c'est rigolo hein. Mais je suis curieux de savoir à quelle vitesse je vais, parce que j'ai pas l'impression d'avancer. Je vais lancer un circuit, on va regarder ça un peu plus près. Enfin, sinon j'aime bien. En vrai si je tombe pas c'est incroyable. Oh la première côte. Ah voilà, là c'est parti. Bon, on va monter tranquillement. C'est une galère. Ouh. Oh, une descente.
Voilà. Ouais, comme quoi, une petite erreur et c'est terminé. Allez, 1 km fait. Ça, on va savoir en combien de temps je fais le deuxième. Mais en fait, je vais plus vite comme ça. Ah, c'est une blague. Wow. Si je mets les bâtons dans les skis, ça va pas le faire. C'est parti, je me lance sur une bleue. Hey, 1 km en 5 minutes. C'est de la merde. Je serais tellement plus rapide en courant. Hey, mais je vous ai même pas dit pourquoi je m'entraînais en fait. Parce que je fais la compétition. Merde. Le championnat de France avec Texas. Enfin, je pense que ça sera avec Texas, ça dépend. En ski de joue. Donc, faut un peu d'entraînement quand même. C'était dur. Je sais même pas si je peux passer là-dessus aussi. C'est bien en fait, tu peux pas vraiment te faire mal, je trouve. Enfin, sauf si j'abuse et je vais faire une noire peut-être. Mais encore, à la vitesse à laquelle je vais pas bien me faire mal. Comment on fait pour freiner en fait? Comme ça peut-être. Allez. Donc toc. Donc j'ai réussi à faire la descente sans tomber. C'est parti. Il faut que je sois à l'aise. Allez, à l'aise. À l'aise. Ça va, ça va. Bon, après, c'était une descente pour moi, oui, pour vous, non. 4,37. Le record, ça commence à être mieux. En vrai, c'est cool, hein. Moi, j'aime bien. C'était sûr. Ah, putain, je crois que je suis mort. Ouais. Oh. On va prendre le temps. Ah, je me suis fait mal à la cheville en tombant. Allez, je suis sur un bon kilomètre là. Ah, oh, vache la cheville. Et le genou aussi. Bon, vous avez vu les vidéos. Voilà ce que je suis en train de regarder actuellement. Bon, là c'est vraiment débutant ce qu'il montre, mais je pense qu'il y a des choses à en tirer. Voilà, on verra demain si c'est mieux. Petit résumé de cette journée qui était plutôt sympathique. Alors, on a commencé la journée avec Tété et Mimi par une balade de 6, 7, voire 8 km, qui était très sympa dans la neige. Ils ont franchement très kiffé. Ensuite, on a mangé. Du coup après j'ai été comme vous l'avez vu louer des skis de fond, donc voilà. Ensuite j'ai essayé le ski de fond et donc là on vient faire une petite balade avant d'aller se coucher. Et l'idée de demain en fait, pareil, je refais du ski de fond, je vais partir sur 4-5 km, voir comment je suis à l'aise demain, voilà. Aujourd'hui c'était pas, voilà, si tout se passe bien, si tout est ok, j'attelle Mia devant moi, donc on fait du ski de joring et pas du ski de fond. Bon, vous l'avez compris. Et si tout se passe bien avec Mia, je fais du ski de fond avec Texas, parce que Texas, c'est différent. C'est différent. Mia, je lui fais plus confiance, on va dire. Donc voilà. Et si tout se passe absolument bien avec Texas, pourquoi pas mercredi faire une séance avec les deux devant. Franchement, ça serait juste incroyable. En 3 jours de réussir à faire ça, ça serait incroyable. C'est ça l'idée. Voilà. Donc sur ce, à demain, bonne nuit. Et on se retrouve dès demain matin dans la neige. Bisous. Oula, et coca. Je viens de me lever. Le cadre est juste
Magnifique, regardez-moi ça, surtout par là-bas, là, toc, ici. La montagne, elle est en plein soleil, c'est magnifique. Texas était malade cette nuit, donc j'ai dû le sortir 3-4 fois. Je pense qu'il a mal digéré. Donc j'espère que ça va pas le gêner aujourd'hui, parce que s'il fait du sport, je vais pas prendre le risque qu'il ait des problèmes de digestion. Voilà, il fait très froid. Mais c'est rigolo. Allez, à plus tard. Jour 2, ski de fond, c'est parti. Bon, bah c'était cool. Je manque un peu de jus, je crois. Mais je me sens prêt pour mettre Mia devant moi. Ça va être rigolo. Est-ce que ça glisse? Ouais. Ah. Aujourd'hui, pour la première fois, je fais du ski Joe avec Mimi. Peut-être avec Texas aussi, si ça se passe bien. Je pense que ça va être incroyable. C'est parti. Bon, bah c'est parti. Voilà. Je crois que c'est le moment d'y aller. C'est parti. On va faire 3,4 km. Et si ça se passe bien, on fait un petit deuxième tour, je pense. C'est parti. Avance. Devant. Ok. Ok, devant. Devant. À gauche. Bon, à droite. Wow. Allez devant, regarde devant, Mimi à gauche. Voilà, ok, allez, devant. Oui, ok, allez, go. Allez, 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 allez. Ok, ok, ok. Allez, 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 allez. Wouhou. Ok, go. Allez devant. Allez, ok, ok. Devant. Devant, devant, devant. Allez. Devant Mimi. À droite, Mimi, à droite, Mimi. Désolé. Ok, merci. C'est ma faute. Merci. Ok, allez, ok. Allez, go, go, go. Ok. Allez, ma fille. C'est super. Pour une première, c'est génial, Mia. Allez. On a combien de bornes? Ouais. On va faire demi-tour. Allez, devant. Allez. À gauche. T'es fort. Ouais. Allez, ma nénette. Ouah, t'es trop forte! Je suis Martin Fourcade! Et encore, pas sûr. À droite. Oh. Ok, go, 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 go! Allez, ma fille! Oui! Ok, allez, go! J'ai peur, mémé! On n'est pas tombé! On va même faire des sauts, tu vas voir! Allez, go! 2,52 au kilomètre! Allez, championne! C'est une verte, ça, ou quoi? Devant ma vie! Wouhou! Ok, go! Allez! C'est un régal! Allez, mémé! Devant, devant. Allez, devant. Allez, devant. Allez, devant. Allez. On prend l'élan. Allez. Ok. Ok. Allez, allez, allez. On va pas aller nul. Allez, ok. Allez. Allez. Stop, stop, stop. Viens. Très bien. Oui. Très bien. À gauche. À gauche. À gauche. Mia. À gauche. Allez, on va au camion. À gauche. Viens. Super, ma fille.
Va devant. Stop. C'est bien. Oui. J'ai vu mon bébé. Ça te plaît? T'aimes bien? On refera demain si t'aimes beaucoup. Ouais, t'aimes beaucoup? Il est bien circulaire en plus. Avec Texas, je vais faire que le petit, hein, sinon on va mourir. Avance. Avance devant. Devant. Ok. Devant. Ok. Allez. Ok. Allez, regarde devant. Allez. Allez, Bilou. Voilà. Oui. À droite. Ok. Mais pourquoi t'as peur? Pourquoi t'as peur? C'est à cause de toi que je suis tombé. Tu m'aurais tiré un peu. Ah. Et ça va. Arrête d'avoir peur. Non, là, viens ici. Viens ici. Ok, go. Voilà. Oui, mon fils. Tu vois, c'est pas grave si on tombe. Ok, allez. Bon, petit retour de cette première expérience en ski du ring. Franchement, j'ai super kiffé. Mia, elle s'est donnée à fond. Texas, il a un peu moins aimé. Je pense que c'est trop monotone pour lui. Mais vraiment, moi, j'ai kiffé de fou. Là, je me rends compte que j'aime pas le ski de fond. Par contre, j'adore le ski du ring. Je me rends compte de ça. Au début, j'aimais le ski de fond. Mais là, j'ai testé. Voilà, c'est un autre game. Hein. Je prends 10 km/h de plus quand j'ai un chien devant. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Donc là, actuellement, on est mardi. Demain, on est mercredi, et moi je vous dis que demain, on se retrouve, et demain, je mets les deux devant, voilà, j'ai appris à faire du ski de fond, enfin j'ai fait ma première fois en ski de fond hier, j'ai fait ma deuxième fois en ski de fond ce matin, j'ai fait ma première fois avec les chiens en ski de fond, en ski de ring aujourd'hui, et demain, bah, je mets les deux, voilà, je peux que demander de mieux. On est actuellement mardi soir et c'est du coup demain qu'on quitte le logement. Donc là, je vais commencer à ranger tout ça, à préparer tout ça. Demain, ça va être génial. Demain, c'est ski joring avec les deux loulous. Et ça va être très cool. J'espère que je vais pas bouffer trop de neige. Voilà. Allez, on se retrouve demain quand on quitte le logement. Attends. C'est parti, première fois en ski de ring avec les loulous. Ok, go. Allez. À droite. Devant, ok. Ok, ok, go, 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 go. Allez, on relance. Allez. Allez. À gauche. Ok, merci. Allez, on relance. Allez, on relance. Allez, 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 allez. Ok, go, devant lui. Allez, on relance. Allez, on relance. Ok, allez. Allez! Devant! À gauche! Gauche! Stop! Stop! À gauche! À gauche! Ok! Merci! Ok, on relance! Allez, 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 allez! Allez! Doucement, à droite. Ok, go. Allez, on relance. Allez. Ok. Allez, devant.
devant, 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 devant. Allez, allez, allez. Voilà, ok, très bien. Super, ok. Allez. Allez, super, devant. Ok. Ok. Allez. 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 Ok. Ok, top. Top. À gauche. Très bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien, ils ont bien couru. Ça y est, je viens de prendre la route, on est parti de Besançon, comme vous avez vu. Le ski du ring avec les deux était juste incroyable. Personnellement, j'ai vraiment, vraiment kiffé. Concernant la destination qu'on vient de prendre, je vous garde la surprise, vous verrez quand on sera arrivé. Mais voilà, pour l'instant, on est toujours à la montagne, il y a toujours énormément de neige, on se tient au jus. Actuellement en train de grimper et franchement regardez-moi ça, comment c'est plutôt joli, il y a de la neige absolument partout, c'est parti! Actuellement dans le parking on est en train de monter et on va au 6ème étage, mais en fait c'est super serré, je vais essayer de vous montrer, regardez genre, c'est vrai que c'est super serré, c'est plutôt rigolo, on se croirait à Paris. Sachant que j'ai jamais été au cœur de Paris, mais c'est pas grave. C'est marrant, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Moi j'aime bien. Bien arrivé à Val Thorens, on y est pour skier. Les loulous ils sont contents, on va aller se promener. Et les loulous ils ont leur tonton. Et il y en a trop à. Coucou. Mia. Belle. Allez go, on y va. On va prendre l'ascenseur avec les loulous, ça va être rigolo. Avec ceci, il en a, que deux lui. Et la panda va faire un vrai chien de montagne. C'est bon, Billy. En route. On prend l'ascenseur, non? Vas-y. Allez, go. Mia, elle est partie. Coucou. Mia est pas... Bah, Mia, tu viens, s'il te plaît? Viens, 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 Tex, viens, Tex, viens, Tex, voilà, pas bouger, pas bouger, il faut que, non, pas bouger, voilà, pas bouger, oh le bon vieux, oh la bagarre qui veut éclater, pas de bagarre les couples des loulous là, c'était un agenda habituellement copain, mais contact pas trop. Petite promenade, c'est plutôt sympa, c'est joli. Viens à droite là. Tac. Il y a de la musique, c'est la Tessa boum boum partout dans la station. Oh mon dieu! Se balader là, il y a clairement de l'ambiance de malade. Pour ceux qui aiment faire la fête, franchement je recommande un maximum, mais c'est plutôt rigolo tout ça. Les loulous ils sont contents, après on va les lâcher sur les pistes, ils vont s'amuser à courir. Allez rentre. Allez rentre, viens. Stop. Bon, c'est l'heure du repas, comme vous le voyez, il n'y a pas trop de lumière. Une petite croquette, voilà. Et voilà où on va passer la nuit tous les deux dans nos camions respectifs. Autant vous dire qu'il va pas faire très très chaud, sachant que dans deux jours il fait moins 9 pendant la nuit. Ça risque d'être sympathique. Voilà, voilà.
Moi je suis joli. Tété, Bilou. Bilou, il boule la... Oh, t'as... Oh là 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 là. Pipi. Aïko, Aïko. C'est joli, Nawanda. Waouh. Ça se mange pas, la neige. C'est la capucine. Il faut respecter le chef. Respecte le chef. Ça y est, ouais. Yes, oui. Pourquoi ils sont... Allez, cours. Il est actuellement 20h, c'est parti. Une petite séance dans un parking, il fait moins 5, il y a 10 étages, je vais les faire aller-retour. Ça va être très rigolo, c'est parti. C'est gelé par terre, c'est relou un peu. Je viens de finir la séance. Qu'est-ce que c'est dur en altitude, c'est un truc... Pff, première fois que je fais ça, une course à pied en altitude. Dans le parking c'est chaud en plus. Franchement, bon, là c'est... J'en ai vraiment bavé. Et le fait de tourner toujours dans le même endroit dans la descente, mon genou droit là, fou. Il a pris un petit coup quoi. Mais non, franchement, j'ai bien aimé. On est en mode dodo. Le petit pipi caca avant d'aller dormir. Voilà, il y a pas mal de neige, il a encore neigé. Du coup, roule. Comment tu fais? Mia, roule. Et tu la laisses, Tex, tu la laisses. Vas-y, rigolo. Couche roule. Et maintenant, place à un peu d'activité avec nous, c'est parti! Let's go. Écoute-moi, fallait faire leur piste là-bas. Quoi? Mais t'es marrant, toi. C'est bien. Ça va? Mec, c'est compliqué de tourner quand même. Ouais, ah, mais faut de la vitesse. Ouais. Comme on luge. Regarde, c'est thank you.
J'ai mis les roues dans les trous. Fallait mettre sur les côtés. L'angle il est violent, enfin ouais. Ouais. Ferme les gars. Ok, ça ride. Je tourne pas. T'es nul hein. Ah il est haut ton ski. Ah ça va que t'es quelqu'un de gentil hein. T'as de la chance hein. Wide. Ça fait zizir. Oula, nom de Dieu. Non, non, non. Il est chaud bouillant, le garçon. Ah, il y a eu une grosse panne électrique générale sur tout Val Thorens. Ah, d'accord. Donc, tu veux que ce soit les remontées ou les bâtiments, il y a les courants. Les ça, deux, ça a l'air de revenir, j'espère que ça va être. Les deux Erwan là, pense qu'il a des skis extrêmement nuls comparés aux miens, donc on a décidé de faire des courses et regardez-moi ça. Il va même rager, on va le faire 3-4 fois et au final il va rager, il va décider de partir dans son coin, c'est plutôt rigolo. Comme une merde, j'estime qu'on va refaire une course. Le premier qui a passé ça a gagné. Après, tu décales sur la droite parce que t'as plein de sauts à gauche et t'auras une vitesse énorme. Quand tu veux, quand tu parles, je vais. Même essayé en lui laissant de l'avance, beaucoup d'avance, mais visiblement ça ne suffit toujours pas.
de ma vie. Le pire sa chose, mon mec, mais comment? Par contre, s'il te plaît. Mais chef, arrête, allez là. Ah voilà, putain. Là, je prends ton aspiration, donc je te rattrape. Vas-y, passe. Bon, ils pensent toujours que c'est les skis qui font la différence. Regardez, regardez-moi ça. Il a ragé et il est parti tout seul comme un grand. Ah ouais? C'est pire que quand on est rentré tout à l'heure? Quand on a commencé ici? Oh ok, ok. J'attendais à pire. Donnez là mon salopio. Oh, je me suis tué. Oh, je me suis tué. Ma cam, elle est propre? Hein? Ma cam, elle est propre? Ça va, ouais. Ok. Ah. Ça a bien tiré sur le mollet, là. Vas-y, c'est pas... En vrai, je pense que je m'arrête pas. Hein. Je m'arrête pas après. T'es tendu du string. Bon vas-y on descend, faut pas qu'on traîne. Hein. Ah il est 6. Il est galère. Yeah! Ça y est, on a pris la route, c'est parti pour 12 heures de route. Clairement, je suis fatigué. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter sur la route, à voir. Parce que là, il est actuellement 20 heures et il reste environ 10h30 de route. Je vous laisse faire le calcul, voilà. Donc je pense qu'on fera une pause sur la route, à plus tard. Bon, ça fait maintenant
Nancy, ça fait que j'arrive à 6h du matin, sachant que je suis parti à 18h, donc ça fait beaucoup de route, voilà. Je pense que je vais pas tenir. Je vais pas tenir, donc on se tient au jus, mais je pense pas que je vais tenir. C'est là-dessus que se termine cette très longue vidéo de 1h17. Après le dernier clip, en fait, j'ai pas pu continuer de rouler, j'ai pas pu continuer de filmer. Donc en fait, je me suis arrêté 45 minutes à peu près avant d'arriver chez moi. J'ai dormi sur un parking, j'ai dormi une ou deux heures pour pouvoir rentrer chez moi en fait. Et ensuite, je me suis réveillé, je suis rentré chez moi, donc tout s'est bien passé. J'ai pas filmé parce que je préférais me concentrer sur la route, je pense que vous pouvez le comprendre. Et donc du coup, voilà, c'est là-dessus que s'arrête cette longue aventure. On a traversé plusieurs pays, on a traversé beaucoup de régions, on a fait énormément de choses, on est devenu champion national avec Texas, découvert le ski du ring, voilà. J'espère que dans l'année 2024, on pourra faire un projet un petit peu dans le même délire, d'une autre ampleur peut-être. Peut-être qu'on va aller découvrir beaucoup plus de pays. Franchement, ça serait top, voilà. Donc merci à vous d'être resté jusqu'à là, je l'espère. Allez, et sur ce, ciao pour de nouvelles aventures.